Be yourself, bonjour. Voilà, l'heure est au rassemblement des fils et filles de la Côte d'Ivoire pour le départ de Draman. Théo Lyon, bonjour Woody. Sois salué. Je fais cette vidéo-là, hein, ce samedi 6 juillet. C'est 13h moins 20. Alors, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Je ne vais pas être long, hein. Colombe Mandira. Sois saluée, ma sœur. Ekora Saroj Etienne, bonjour. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote de mes oignons, messieurs, dames. Je vous dis bonjour. C'est pour parler un tout petit peu de ce rassemblement, n'est-ce pas, que nous devons faire, hein, pour lequel nous devons opter pour le départ de Draman, c'est tout. Seydou Bado reçoit mes salutations aussi. Depuis Ouagadougou, sois salué. Zabri Kibare, la fille bébé, on a grandi à les gens, famille aussi. On a grandi à les gens. Oui, Ekora Sarouj, sois salué. A grandi à tout le monde. Ah, on est très juif, famille. Donc, sois salué, mon ami Seydou Bado. Frères et sœurs, moi, je fais partie de ceux qui ont été à Bruxelles. Hein. L'espace de commentaires, les traces sont là, hein. Les preuves l'attestent. Vous n'avez qu'à regarder. Je fais cette vidéo-là pour appeler les gens à un rassemblement autour des valeurs républicaines, hein, autour de tout ce qui. La République, la souveraineté et puis le nationalisme. Voilà, c'est ce qui nous réunit. On est patriote ici, on est résistant là. Ah, moi, je suis souverainiste, ah, moi, je suis nationaliste, moi, j'aime ci, j'aime ça, j'aime le pays, tout ça là. C'est ce qui nous unit. Ça, on est dans la résistance. Donc, on va parler de ça un peu. Ma bénédiction soit saluée. Et puis, on va inciter les gens à se mettre ensemble. Parce que l'heure n'est plus aux querelles insipides et partisanes. L'heure est au rassemblement, messieurs, dames. Il ne faut pas avoir peur de dire ce genre de choses. On a été à Bruxelles. Les gens nous ont taxés de tous les noms. Mais je dis à ces gens-là que moi, je rigole. Hein, parce que moi, je ne fais pas mes choses en fonction des humeurs d'un chef d'État ou en fonction des injonctions d'un parti. Déjà, je ne suis pas dans un parti. Et puis, on ne me paye pas pour parler. Je suis dans la résistance. Voilà. On peut épouser l'idéologie politique de Gbagbo. On peut épouser ses idées, ses convictions politiques. Mais on n'est pas obligé d'être dans son parti. Tel est mon cas. Je respecte son parti, mais je n'en ai rien à foutre. Je ne vais pas aller au FPI parce que je n'ai pas envie d'aller au FPI. D'accord? Le FPI n'est pas un endroit où la science est infuse. Et au sein du FPI, eux-mêmes se livrent des guéguerres. Alors, si ils veulent qu'on parle du FPI, on va parler du FPI. Le FPI. Tellement qu'ils s'entendent super bien, c'est tellement cool le FPI, qu'il y a eu des affis comme traîtres, hein, qu'il y a eu des scissions, mais ils n'ont jamais trouvé une solution pour régler ce genre de choses. Et le FPI, c'est trop un parti rêvissime. Moi, je ne veux pas écorcher le FPI ici, mais arrêtez de nous emmerder à confondre le FPI et la résistance. D'accord? Surtout ceux qui sont au FPI. Vous qui êtes partisans du FPI, vous allez aller vous asseoir, vous allez parler bien. C'est l'outil politique de OPA. C'est pour ça qu'on respecte ce parti. Point barre, en tout cas, moi, André Zegnon. Point barre. Sinon, honnêtement, tout comme le PDCI, le COGEP, le FPI, l'UNG et bien d'autres partis, RDA et tout ça, mais moi, je m'en tape royalement, moi, André Zegnon. Je ne suis pas dans vos partis. N'importe quoi. FPI ici, FPI là, FPI. J'ai dit, on respecte ce parti tout simplement parce que c'est avec ça que le président Laurent Gbagbo s'est illustré. D'accord? C'est vrai qu'il est venu sur le terrain politique. FPI, Front Populaire Ivoirien. Mais ça suffit, ça s'arrête là. Et vous croyez qu'on n'a pas vu les lacunes du FPI?
Vous avez dirigé le pays pendant deux mandats et on nous a dit que le pays était divisé. Et on l'a constaté, ok. Mais quand il y a des décisions capitales qui engagent comme ça la vie de millions d'Ivoiriens, je crois qu'on prend des décisions capitales, ma foi. Oui. Le président Laurent Gbagbo, on a ouï dire qu'il devait faire un communiqué qu'il n'a jamais fait, à la suite duquel on a été bombardé. Alors, si le FPI peut assumer cela, assumez-le et puis ouvrez vos bouches, maintenant on va discuter. Parce que c'est sous le FPI qu'on a été bombardé. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ce n'est pas vous qui nous avez bombardé. Mais vous auriez pu éviter ça. Un traître ici, un lâche ici, un traître ici, il y a un lâche ici, on fait des combines là, ah, il y a des traîtres ici. Non, il y en a qui nous ont trahis, machin. Tout ça, ce FPI, on a vu ça. D'accord? Voilà. Le seul souci des gens là, des oligarques là, de nos bourreaux, c'était le président Laurent Gbagbo. Son seul souci, c'était lui. Voilà. Le seul souci, communauté internationale et tout ça, c'est le président Laurent Gbagbo. Et nous, on aime le président Laurent Gbagbo. Nous, on a épousé ses idées. Mais c'est pas pour autant qu'on va se mettre à la solde du FPI. C'est pas pour autant qu'on va agir comme si nous, on était des partisans du FPI. Ou si c'est le FPI qui doit nous donner des ordres, des injonctions, pour tracer notre, je sais pas, cahier de route, s'il y en a un, bien sûr, ou nos façons de faire dans la résistance. Là-dessus, je suis désolé. Et je vais envoyer désolé certains gars du FPI. Vous êtes au FPI, vous agissez selon des textes bien précis. Voilà, bah, faites votre cuisine intérieure. Nous sommes des résistants. On ne lutte pas pour le FPI. Nous luttons pour la Côte d'Ivoire. Le FPI même lutte pour qui? FPI, vous-même, vous luttez pour qui? Pour Gbagbo? C'est que nous, on vous a mal compris alors. Vous luttez pour Gbagbo? Le FPI même lutte pour la Côte d'Ivoire. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On aime le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce qu'on est au FPI qu'on l'aime plus qu'un autre. Vous êtes au FPI, vous l'aimez plus que nous tous, quoi. Eh bien, vous auriez dû aller à Bruxelles parce qu'il est maintenu là-bas. Et comme par hasard, on a été à Bruxelles, on est des désobéissants. Du coup, le président Laurent Gbagbo a fait intervenir ses avocats pour parler. Mais c'est ce qui restait à faire, même. Et au lieu d'aller parler, pourquoi nous, on est allé là-bas? Ils n'ont qu'à aller parler, pourquoi il est encore là-bas alors qu'il est acquitté? C'est des avocats chevronnés. D'accord? Donc, ils n'ont qu'à faire leur travail. Leur travail n'est pas fini alors. Et ils peuvent parler encore malgré qu'il est acquitté. Je ne sais pas, les gens, ils parlent, comme je disais pour rigoler. Quand on parle, ils parlent. Hein, on va fermer leur bouche pour écouter ce qu'ils n'ont pas compris. Moi, deux mes oignons ont dit, je suis acquitté. Et puis, je suis maintenu dans un coin. Et je vois des partisans qui viennent dire, mais comment on a acquitté deux mes oignons, il est encore ici? Parce qu'il y a certaines conditions sous lesquelles on m'aurait libéré. Mais Blé Boudé, avec qui on m'a mis en prison, il est libéré aussi. Lui, il parle. Les mêmes conditions, on lui a pardonné aussi. C'était un procès joint. Donc, ils ont été libérés sous les mêmes conditions. Ou alors, c'est Koudou qui a empêché de faire certaines choses. C'est lui qu'on empêche d'agir librement. Lui, on lui a mis des restrictions. Pour poser la bonne question, ça ne lui a pas plu, il a fait intervenir ses avocats. Ben, allez lui dire que ça ne va pas lui plaire longtemps. Ça ne va même pas lui plaire peut-être même du tout. Parce que nous, quand on allait à la haie, ce n'était pas ça. Son injection, on attendait. On n'attendait même pas un mot de lui. Rien. On allait à la haie comme ça. Et lui-même, de sa bouche au pas, dans le tribunal là-bas, pénal international, au sein de cette cour, il a parlé, il a dit, les gens que vous voyez venir là comme ça et tout ça, c'est à eux que je demande. Il faut respecter nos textes de loi. Il faut respecter nos lois et tout ce qui s'en suit et ainsi de suite. C'est à eux que je dis ça. Nanana. Quand il disait ça, c'est parce qu'ils savaient qu'on venait. On allait, on venait, ils voient dedans. Alors, tout notre bruit, tout ça. Ils savent, c'est lui qui nous disait de venir. Comme par hasard, il est acquitté aujourd'hui, il est dans une maison quelque part à Bruxelles. Nous, on y va. Désobéissant. Vous qui dites qu'on est désobéissant, vous êtes trois fois plus mal élevé que nous, trois fois plus désobéissant que nous. Parce que si c'était votre père qui était Laurent Gbagbo, je me demande si vous n'alliez pas y aller. Je me pose la question. Et quand nous, on va là, on n'attend rien de quelqu'un. Nous, on ne nous paye pas. On ne met pas les cas à notre disposition pour y aller. Il n'y a pas une certaine personne qui vient nous donner de l'argent. Et on ne dépend d'aucun émissaire du FPI. D'accord? Voilà. Nous sommes bien dans nos baskets. Nous travaillons pour subvenir à nos besoins. D'accord? Nous, on ne nous paye pas. Donc, le FPI ferait mieux de faire la différence entre la résistance et le FPI. La résistance n'est pas le FPI. D'accord? Le FPI est dans la résistance. Sinon, la résistance, ce n'est pas le FPI. Vous avez votre parti, nous sommes des résistants. Et ce que nous faisons, c'est pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Vous faites vos choses pour Gbagbo. Nous, on fait tout pour la Côte d'Ivoire, pour Gbagbo, pour Blé Boudé et pour tous les fils du pays. Voilà ce que nous faisons. D'accord? On ne fait pas nos choses pour faire plaisir à Gbagbo. En tout cas, vous qui avez envie de faire plaisir à Gbagbo, faites votre liste.
et puis vous gardez quand il soit voulu donner. Il va vous nommer ce qu'il doit vous nommer. Nous, les demain, on ne cherche pas nomination. On va aller au pays et puis nous-mêmes, on va s'imposer. C'est la Côte d'Ivoire qui va décider. On se présente, on veut être député. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont voter. Voilà, c'est tout. Mais on n'est pas là pour dire, on vient, comme on a crié, crié sur la toile, on est allé là, on est venu ici, on atteint une certaine gratitude et reconnaissance. De quoi? De quoi? N'importe quoi. Des gens qui œuvrent dans l'ombre, à qui on donne un peu de sous, qui nous réduisent, nous on est impolis, on est parti, machin. Moi, je ne réponds pas à ces énergumènes. Des gens qui n'avaient trois fois rien, du jour au lendemain, ils se retrouvent dans de grosses Mercedes. Oh, ils ont peut-être gagné au loto. Bon, on sait dans ce cas dans quel tabac ils ont été joués à leur loto. Bande de fumier. Frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont pas plus de cervelle qu'un moineau. Et ces gens-là sont à foison dans les rues de Paris. Hein? Ils parlent et puis se pavanent. Des gens qui créent des structures qui eux-mêmes en sont les présidents. C'est-à-dire des petits dictateurs en herbe. Voilà, il faut juste regarder leur façon de faire, de parler. Hein? Ils sont imbus de leur personne. Voilà, ils ont cette suffisance-là quand ils vous parlent. Parce qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils vous regardent de haut. Moi, ces gens-là, j'ai dit, n'ont pas plus de cervelle qu'un moineau. Voilà. Donc, vous les mettez de côté, vous ne les écoutez pas. Vous suivez vos convictions. D'accord? Il y a des gens qui ne sont pas au PDCI, ils disent qu'ils sont oufouettistes. Il y a des gens qui ne sont pas PDCI RDA, ils disent qu'ils sont oufouettistes. Et il y a des gens qui sont bédiéistes. Il y a des gens qui sont wataristes. Il y a des gens qui sont goudéistes. Et tout ça. Il y a des bagoïstes et des istes et des istes et des istes. Chacun crée pour lui. Hein? Il se lève, il est tant, d'accord. Mais les bagoïstes, là, c'est eux tous qui sont FPI. Hein? Tous ceux qui disent sont des bagos, ils aiment bagbo. Ils sont FPI. Quand tu aimes à faire des bagos, tu es FPI forcément. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de nous emmerder avec ça. En tout cas, moi, de mes oignons, celui qui se reconnaît dans ce que je dis, moi, je ne me bats pas pour FPI. Hein? Je me bats pour la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et pour les valeurs républicaines, c'est tout. Pour qu'on ait... Tu pars au meeting d'Anono, Marcus Garvey, merci. Va au meeting d'Anono. Mais sois salué. Et puis, au meeting d'Anono, il faut leur dire, quand il y a occasion, il faut leur dire, Anono, c'est bien, mais ce n'est pas Anono, il vit Draman. D'accord? Quand Draman veut faire mal, là, il fait mal correctement. Il ne dindin pas. Les gens sont allés verser le sang devant chez Bédier. C'est pas Anono. Allez-y devant chez Draman. Moi, en tout cas, votre meeting d'Anono, là, je ne peux pas enlever l'intérêt. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas y aller. Affluez, allez-y. Mais combien de fois vous n'êtes pas rassemblés dans des endroits? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Vous-même, Anono, là-bas, vous êtes en train de faire les mêmes choses que les gens dans la diaspora ici. Nous, on dit, on va à Bruxelles. Eux, ils disent, ils marchent à Paris. Ils ont marché combien de fois à Paris? Ça a fait quel effet? Ça a fait quel effet? Ils n'ont rien à faire, ils sont marchés à Paris. Parce qu'on leur donne un peu d'argent pour retenir les gens à Paris. Et qui pilote tout ça? Il dit tôt ou tard, on va le savoir. Ça se trouve très bientôt, on va savoir qui est derrière tout ça. Il y a une grosse mafia qui vacille autour du président Laurent Gbagbo. Je vous le dis haut et fort, frères et sœurs. Il y a les oligarques eux-mêmes, mais il y a une mafia ivoirienne qui s'est tissée comme ça autour du président Laurent Gbagbo. D'accord? C'est cette mafia-là qui nous trouve désobéissants, qui trouvent que nous, on fait les choses à notre façon, à notre tête. Non. Nous agissons en fonction des textes de loi, en fonction du droit. Voilà, c'est un droit fondamental. Il est libre à quitter, déclaré non coupable, et il est encore là-bas. Et comme par hasard, Blé Goudé fait des sorties, il parle, il annonce des choses, il est reçu sur des plateaux télé et tout ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? On ne demande pas au pas de faire forcément ces choses-là. Mais s'il ne fait pas ces choses-là, de grâce, qui ne trouve pas le moyen de faire passer des messages pour nous dire qu'il ne faut pas en marcher ici, il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là. Soit il parle, soit il ne parle pas. Allez lui dire ça avec tout le respect qu'on a pour lui. D'accord? Parce que quand on parle, vous êtes là, vous dites, oui, celui qui allume ou pas, on l'allume. On n'est pas là pour allumer ou pas. Moi, de mes yeux, je suis objectif. Et je vous dis, je le connais. Même quand je ne le connais pas personnellement, mais je sais qui est le président Laurent Gbagbo. Je le connais. D'accord? C'est quelqu'un qui agit eu égard au texte de loi. En fonction du droit. Voilà. Il prend les principes démocratiques et puis il agit. C'est comme ça, nous, on marche aussi. Et on est allé à Bruxelles, on est revenu, on a bravé quel principe moral? Si quelqu'un peut me dire ça ici. Nous avons bravé quel principe moral avant de parler même du droit? Parce que
quand on regarde le droit, on a toutes les raisons d'y aller. Le monsieur est acquitté, déclaré non coupable, et il est encore maintenu. Mais le fait que nous, nous soyons allés, nous les résistants, nous qui sommes allés, et on nous dit on désobéit à Opa, mais on lui a jamais obéi, et on lui a jamais désobéi, c'est ce que vous oubliez. On lui a jamais obéi parce qu'il nous a jamais donné un ordre. Et on n'attend aucun ordre de lui. Ce n'est pas un dictateur. Parce qu'il doit nous dire faites, et puis on fait. Ne faites pas, et puis on ne fait pas, alors qu'on sait qu'il faut faire. Mais donc c'est un dictateur. Vous êtes en train de donner raison à ceux qui l'ont accusé, traité de dictateur, qu'il en est un. C'est ce que vous êtes en train de faire. N'importe quoi ou pas, doit nous dire de faire ça et puis on va faire. Moi, demain, je n'attends pas qu'il me donne un ordre. S'il doit me donner un ordre, c'est qu'il peut parler aux Ivoiriens, mais il n'a qu'à parler. Des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est pour ça que quand quelquefois je parle, je leur dis, quand on parle, vous parlez. Vous parlez de quoi? Parce que nous, on sait de quoi on parle. Vous parlez de quoi? Hein? Je ne sais pas. Coucou, ma soeur. Trévis Charles, ça saluer. Black Queen 2, bonjour, ma soeur. Attends, les gens, ils sont en train de parler. On dirait qu'on est sur la toile, là, on est là pour le FPI. Moi, je ne suis pas là pour le FPI. Hein? Ah non. Je respecte ce parti mythique. Mais je ne travaille pas sur la toile là, pour le FPI. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour le FPI. Le FPI même travaille pour la libération de Gbagbo. Le FPI travaille pour la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'on fait aussi. On fait ça avec le FPI, c'est tout. Mais on est obligé d'appartenir au FPI. On est obligé d'être FPI, de prendre carte du FPI. Il y a plusieurs partis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, de mes yeux, j'ai décidé de créer mon parti. J'ai dit que ce sera le Front National en Côte d'Ivoire là-bas. On va aller créer Front National. Je suis un nationaliste, on va créer ça là-bas. Celui qui n'est pas d'accord, on s'en fout de lui. Et on ne va pas demander permission à quelqu'un. Ils ont créé PDC, ils ont demandé permission à quelqu'un. Ils ont créé FPI, ils ont demandé permission à quelqu'un. Ils ont fait un référendum pour créer RDR. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour chef, UNG, tout ça, ils ont demandé à qui pour créer ça? Et nous, on crée Front National en Côte d'Ivoire, on demande à quelqu'un. On ne demande à personne. On arrive en Côte d'Ivoire, on impose le Front National. C'est aux Ivoiriens de choisir. Non, mais et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Nous suivons le président Gbagbo pour ses son idéologie politique, pour ses convictions, ses prises de position politique, d'accord? On ne le suit pas pour ses états d'âme et ses humeurs. Ça, il fait ça dans sa vie privée. Ils font tout pour qu'on dérespecte le monsieur. J'ai dit, vous avez rêvé. Moi, je vais vous répondre et vous allez lui dire. Et s'il y a moyen d'être reçu, pour que je lui répète ça de cette façon-là, mais je vais aller lui répéter ça. Il faut juste mettre en avant la politesse, le respect, c'est tout. Mais moi, je suis quelqu'un qui a des convictions. Moi, mes couilles, je les assume. Donc, ce que je vous dis là, gardez, c'est des traces. J'ai dit, le jour où il sort, il nous regarde, c'est vous qui êtes venus. On dit, oui, c'est nous qui sommes allés. Je ne suis pas content de vous. Eh bien, qu'à cela ne tienne, monsieur le président. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Mais si ça ne vous a pas plu, en tout cas, au regard du droit, on était dans la démarche indiquée. D'accord? C'est ceux qui ne sont pas venus là. C'est à eux, il faut poser des questions. Vos avocats sont allés parler pour atténuer la chose. Parce que vous n'êtes pas acquitté. Vous n'êtes pas déclaré non coupable. Vous n'êtes pas libre, au même titre que Blé Boudé. Vous, quelle injonction on vous donne? Quelles conditions sous lesquelles vous êtes libéré? Quelles sont vos restrictions alors? Que le FPI nous dise tout ça. Le professeur Assoua Abdi a dit, à Douta. Le professeur Assoua Abdou a dit ceci. Les avocats ont dit cela. Il y a une dame qui a dit ceci. Et il y a un autre émissaire qui chante ça, ça, ça. Vous parlez au nom de Opa seulement, vous tous. Vous parlez au nom de lui. Allez lui dire séparément ou réunis. Que les résistants la disent, en tout cas par la bouche de Demezoyon. Demezoyon lui dit et puis il assume que lui, il n'est pas là pour écouter les recommandations du FPI. Encore moins celles de Koudou. Parce que s'il est libre, qu'il peut parler, mais il n'a qu'à parler un coup KO. Oh, de lui là, il a dit à lui, là, il a dit à lui, là, il a dit à lui. Aujourd'hui, vous voyez, Blé Boudé, il parle lui-même. Quelqu'un parle au nom de lui. Quelqu'un parle pour lui. Non, pourquoi pas, il est libre. Acquitté. Déclaré non coupable, mais maintenu encore aux Pays-Bas dans un hôtel 5 étoiles. D'accord? Pareil pour Opa. Qui l'empêche de parler? Ça, là, on doit chercher à savoir ça. Pourquoi il ne parle pas? On doit chercher à savoir ça. Pourquoi ça le froisse qu'on ait à Bruxelles, comme on avait souvent fait à La Haye? Tout ça, il faut chercher à savoir ça. Je vous l'ai dit, je vous le répète, famille. Quand on parle, ce qu'on n'a pas dit là, entendez ça aussi. Comprenez ça aussi. Il y a des non-dits comme ça qui sont bruyants. C'est-à-dire, la métaphore nous dit que c'est un silence assourdissant. Voilà comment ça s'appelle. Vous permettez, messieurs, dames? Oui, allô? Et qui?
Ah, là, c'est Eric Conné. Oui, de mes oignons. Ben oui, je te reconnais, ma soeur. Comment tu vas? C'est parce que je suis en live là, donc il faut que je te laisse, tu rappellerai, s'il te plaît. Je suis en live, je fais une vidéo live. Je te rappellerai. Merci bien. Envoie-moi un message si tu veux, hein. Merci, ma soeur. Bisous. Oui, messieurs, dames. Alors, je continue ce que je disais et je vous remercie un peu, hein, votre indulgence. C'est des coups de fil comme ça qui arrivent. On ne va pas s'empêcher de décrocher, hein. Hein. En live, mais la vie continue. Et notre vie même, c'est une succession de live, hein, à ce jour. Recevez encore une fois mes salutations et pour vous qui nous prenez en marche, il est question ici de parler du rassemblement des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mais il fallait que je lève l'équivoque sur cette histoire de confusion entre le FPI et la résistance. Parce qu'il y en a qui croient que la résistance appartient au FPI. La résistance n'appartient pas au FPI. La résistance, la résistance, la résistance. Dans la résistance, il y a d'autres partis. Plein comme ça. Il y a des groupuscules, il y a des mouvements et tout. La résistance n'appartient pas au FPI. Mais elle n'appartient même pas au président Laurent Gbagbo, la résistance. Elle appartient aux Ivoiriens. Elle appartient à l'Afrique. Elle appartient à ceux-mêmes qui la composent. C'est tout. La résistance, c'est notre affaire. Ce n'est pas l'affaire du PDCI. Ce n'est pas l'affaire du FPI. Encore moins celle du RDR. Alors. Ce n'est pas l'affaire d'un parti, la résistance. Les différents partis même viennent piocher dans la résistance. Si vous ne savez pas ça, on parle de la résistance, vous parlez du FPI. Vous parlez du FPI comme un parti. La résistance, c'est un parti. La résistance, c'est un parti. Et il y a des choses que nous, on défend que vous ne voulez pas défendre, vous, le FPI. C'est votre mentor, votre chef qui est là-bas, à Bruxelles. Et nous, là, on le respecte, certes. Mais je dis, on n'est pas soumis à vos textes au sein du FPI, vos règlements. Pour lesquels vous ne faites pas là, ben, fille, je ne sais quoi, là. Nous, là, on n'est pas dedans. D'accord? Et moi, de mes oignons, avec tous les égards que j'ai pour ce parti, je dis, vos textes, votre fonctionnement, comment ça se passe là-bas, moi, je m'en fous, mais alors, royalement, on peut respecter quelqu'un puis on s'en fout de lui. Si. Je respecte le FPI, mais je m'en fous de ce parti. Par contre, je ne dirai jamais que je respecte le président Laurent Gbagbo, je m'en fous de lui, jamais de la vie. C'est pour lui-même. Que y ait un FPI faire son bruit et puis on dit rien. Sinon, FPI, vous êtes quoi? Vous êtes plus probe qu'un autre parti. Hein? Les membres du FPI, là, vous dégagez une certaine probité, loyauté, plus que d'autres membres d'un parti quelconque, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous êtes plus sérieux au FPI qu'au PDCI. Hein? Vous êtes des gens plus probes, dignes d'honnêteté, que ceux du FPI, du PDCI peut-être, ou que ceux de quoi? Du COGEP. De quoi? De l'UNG, de quoi? Vous étiez au pouvoir ici, vous êtes venu à la refondation. La refondation, on a vu quoi? Aller faire caca sur les filles, acheter des RAV4 et construire flat des immeubles pour détenir des stations d'essence. On ne sait même pas où vous travaillez et vous avez des milliards, milliards. Vous croyez que votre histoire de refondation, là, on va remettre ça? J'ai dit, c'est le président Laurent Gbagbo qui nous intéresse. La Côte d'Ivoire au-delà. Mais sinon, FPI. Vous-même, FPI, on va vous passer au peigne fin. Au sein du FPI, même, il y a trop de conneries à revoir. Faites votre ménage entre vous. Venez pas nous constiper. La résistance n'appartient pas au FPI. Elle appartient à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. D'accord? Parce que dans nos résistances, on parle même de d'autres pays africains. On parle de d'autres sujets africains. On est sur la Côte d'Ivoire, toujours, toujours comme ça. C'est que la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Vous ne nous entendez pas. Au sein de la résistance, il y a des Africains, il y a des panafricanistes, il y a des nationalistes, des patriotes. Il y a tout. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a même au sein de la résistance qui ne veulent pas entendre parler même de nationalisme, sous prétexte qu'ils ne veulent pas que les gens aillent chez eux. Non, ils veulent. Moi, je n'ai pas envie de parler de panafricanisme dans un premier temps. Je veux parler de nationalisme d'abord. Je vais nettoyer chez moi. Il ne faut pas venir entendre des conneries comme ce qu'on entend en ce moment. OPA dit de ne pas aller, vous êtes allé. Mais si c'est OPA qui va nous dire de faire les choses, mais je pense qu'aujourd'hui, on était assis chez nous chacun. La vérité. Je me demande même si on serait sur la toile. C'est OPA qui nous a dit de venir sur la toile. On a eu besoin que OPA nous parle pour défiler à la haie comme ça à chaque fois. Hein? On prend car, on va à la haie. D'autres même se sont fait tabasser là-bas. Certains même là ont connu les pires, je dirais, convulsions de leur vie. Mais parce qu'ils sont dans la résistance. Je vous dis la vérité. Alors,
Et vous êtes là, FPI, président Laurent Gbagbo. Si vous confondez le FPI au président Laurent Gbagbo, je dis oui. La voix de mes oignons, je dis oui. Ça lui colle à la peau, le FPI. Voilà. C'est son outil, son instrument. Lui et certains de ses amis en sont les créateurs. Je dis oui. FPI égale Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo égale FPI. Voilà. Ça passe crème. Ah, franchement, moi, pour moi, de mes oignons, ça ne souffre d'aucune objection. Ça peut aller. Mais FPI égale résistance ou résistance égale FPI. Pardonnez, la résistance, ce n'est pas pour le FPI. Au sein même de la résistance, il y a des éléments du FPI. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a? Le FPI ne va pas venir phagocyter la résistance. Et ça n'arrivera jamais. Parce que nous tous là, nous ne sommes pas acquis à la cause du FPI. Il y en a qui sont dans la résistance, mais ils tirent à boulet sur le FPI. Parce qu'ils savent les dessous de ce parti. Au FPI, vous êtes à vous livrer toujours des guerres de connaissances, d'intellectuels, de diplômes, de qui doit être au-dessus de l'autre. Ils sont imbus de leur personne au FPI à 80%. C'est moi, Demesnier, qui vous le dis. Ils n'ont qu'à venir me désabuser ici. C'est au FPI, il y a des jeunes, on doit leur céder la place. Mais des vieux qui sont assis là, qui se permettent de dire, mais ils connaissent quoi encore? Pour le moment, on va arroser un peu encore, ils vont pousser, hein? Ils sont pas encore vraiment mûrs, matures. Ils sont pas mûrs, matures. Les enfants ont les mêmes diplômes qu'eux. Mais comme ils sont vieux, et puis ce qu'ils voulaient faire, ils n'ont pas fini de faire. Ils comptent sur Gbagbo, il va revenir, il va être président encore, et puis ils vont finir ce qu'ils avaient commencé, qu'ils n'ont pas fini. Hein? Qu'ils n'ont pas pu terminer, puis la guerre est venue gâter. Hein? Je ne sais pas s'ils construisaient des buildings, ou bien s'ils étaient en train de finir quoi, leur plantation, où ils avaient des sociétés, écrans. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Mais il y a certains caciques du FPI, ils attendent le retour de Koudou. Ce n'est pas seulement pour reprendre les rênes du pays, stabiliser, retourner à la démocratie. Non, ils ont commencé des choses qu'ils ont laissées en suspens parce que la guerre les a surpris. Voilà. Donc ils attendent le pape à venir s'asseoir encore. Et puis ils vont terminer ça. Bien voler, offrir des voitures aux jeunes filles, leur faire caca dessus, on ne sait c'est quelle basse. Et ça continue. La refondation. Pardonnez. Vous avez mal interprété le contexte de OPA. Vous avez mal interprété ça. Vous, les gens du FPI, vous qui parlez aujourd'hui, n'importe quoi. Vous croyez qu'on est là pour le FPI? En tout cas, excusez-moi, j'ai dit, je respecte ce parti, mais sans plus. Sans plus, je le respecte comme le PDCI et bien d'autres partis que j'aurais pu respecter. C'est tout. C'est tout. Voilà, ce n'est pas le FPI ici qui est notre tasse de thé ou qui nous paye à manger, qui paye nos loyers. Moi, là, moi, je travaille puis je paye mes choses. Je n'ai pas besoin qu'on me donne l'argent. J'essaie de chercher l'argent. Vous qu'on paye à celui qui parlait à des gants, hein, des moisis comme ça qui prenaient le RER sous vos yeux il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ils ont des Mercedes. C'est bien, mais pour acheter ça à la sueur de ton front. D'accord? Et puis tu la fermes quand tu vois que des gens qui parlent avec conviction ne sont pas des gens soudoyés. Hein, ils ne sont tenus par aucune laisse. On ne les mène pas par le bout du nez. Tu peux la fermer un peu quand ces gens-là parlent. S'il te plaît, tu te reconnais. Gnie. Eux-mêmes, ils parlent et puis ils sont présidents eux-mêmes, dans eux-mêmes leur groupe. Suivez les gens, quand vous allez voir, c'est les démocrates, ça. Ça, c'est les prémices des dictateurs, voilà, de la dictature. Ceux qui, eux-mêmes, ils créent leur truc et puis ils sont présidents du truc. Voilà. La chose qui commence par délégué, représentant, secrétaire général, les choses comme ça, là, non, 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 non. Eux, ils créent eux-mêmes, ils sont présidents. Et puis, ils vous parlent, ils parlent, ils parlent et puis ils vous annoncent ça. C'est les gens quand vous suivez. Avec des petites parvenues qui s'y attendaient peu. Et tac, on leur met comme ça des artifices dans les yeux. Ils sont contents. Cela s'attaque à nous. On a été à Bruxelles, nous on est têtus. Elle leur dit têtus que nous sommes là. C'est ce qu'on va rester. Tue-tête même nous va. Allez leur dire ça. Mais nous on est têtus. Au moins on respecte une ligne de conduite. Et nous au moins nous sommes cohérents dans nos démarches. On a toujours été derrière OPA parce qu'on sait qu'il y a une injustice. On a toujours été pour la Côte d'Ivoire parce qu'on sait qu'il y a une injustice. Et nous luttons pour les droits. Nous luttons pour les droits de l'homme, d'accord? Pour le respect scrupuleux des droits de l'homme et pour l'application sans faille d'un verdict qui a été prononcé et dit par la CPI, c'est tout. Quand on est acquitté, on rentre chez toi, chez soi. Et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on s'en va parler, parler, on crie. Ils s'en vont à Paris pour marcher. C'est à Paris, là-bas, les gens qui sont en Belgique qui l'ont retenu, ils vont vous écouter.
Vous marchez à Paris jusqu'à Messalaé, ils étaient. C'est de là-bas, ils ont été libérés. Donc, ça emmerder les gens aujourd'hui. Lui, Dago, sois salué. Pretty Boy, Bruce, sois salué. Rodrigo Goba, Nkambay, Nandayou, Zébonekwe, garde à vous. Oui, et puis j'étais en train de faire comprendre aussi une chose. Hein. Vous savez, il existe une nuance entre le FPI et la résistance. Ça, là, il ne faut pas vous fatiguer de voir ça comme ça. Il faut dissocier la résistance du FPI. D'accord? Voilà, il ne faut pas faire cet amalgame-là. On n'est pas là pour ça. Le FPI n'appartient pas à la résistance n'appartient pas au FPI. Le FPI, c'est l'outil de travail et le parti du président Laurent Gbagbo. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui nous intéresse. En tout cas, moi, de mes unions, pas le FPI. Voilà, je n'ai rien contre ça. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui nous intéresse ici dans notre combat. Voilà, j'ai beau être gbagboïste, je ne suis pas FPI. Il y a des gens, comme je vous l'ai dit, qui sont oufouettistes. Il y en a qui sont bédiistes et ainsi de suite. Même Blé Boudé, là, c'est un gars boudéiste. Ah! Hein, famille? Hein, c'est comme ça? Alors maintenant, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Moi, je ne suis pas dans la résistance pour le FPI. Et les cadres de ce parti, comme je vous l'ai dit, ne sont pas plus probes que d'autres. Voilà. Nous avons besoin de tous les fils du pays, y compris Soro Guillaume, pour chasser Dao. Donc, on va parler de ce rassemblement un tout petit peu. OK? On va pas s'attarder sur le FPI. Moi, le FPI, je veux juste que ce parti comprenne qu'il n'a pas d'ordre à nous donner. On n'a pas d'ordre à recevoir de ce parti. Quand on juge utile de faire quelque chose, de poser un acte, nous le posons dans la résistance. Quand on se déplaçait pour aller à la haie, de jour comme de nuit, c'est pas au pas ou Mbappé qui nous disait de venir. D'accord? Sinon, on serait jamais allé parce qu'il fallait qu'on attende une décision de, un appel de, hein, ou un ordre. Donc, on n'allait jamais aller. Puisqu'ils étaient là-bas, ils ne pouvaient pas parler. Ils sont libres aujourd'hui, ils sont acquittés, mais maintenus. Et au pas, parlerait à un groupuscule de gens. Et c'est ces gens-là qui vont se permettre de se mettre sur la toile ou bien par personne interposée. On est désobéissant, on n'a pas respecté ce que Opa a dit, machin. Je m'en vais dire ceci à Opa et envoyez-lui ma vidéo. Opa, si c'est toi qui parles aux gens, et puis il nous parle, eh bien, tu sais quoi? Parle-nous toi-même directement, d'accord? Parce qu'on préfère s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Parle-nous toi-même directement. Tu es interdit de parler, tu es libre à quitter et tu connais le droit mieux que nous. Donc, parle-nous toi-même directement. Vous voyez, il y a longtemps, on attend ça. Tes gens que tu envoies là, moi, de mes unions, je te le dis, avec tous les respects que j'ai pour toi, moi, de mes unions, je m'en fous d'eux. Voilà. Et je vais te dire une chose même, papa. Si tu veux envoyer Michel Gbagbo, lui-même, on s'en fout de ce qu'il va nous raconter. D'accord? Voilà. Allez lui dire ça. Nous emmerder, bon sang. Vous croyez que c'est le FPI qui nourrit les gens ici? FPI, FPI. Ne confondez pas la résistance au FPI. Hein. Nous respectons le FPI sans pour autant dépendre des textes de ce parti. Voilà. C'est tout. Pas emmerder les gens. FPI, FPI, FPI. Frère Joseph, venez, parlons du rassemblement autour de la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour chasser Draman. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça tout simplement parce que l'heure n'est plus aux supputations. D'accord? Nous en avons fini avec les querelles partisanes. Ces clivages-là qui n'ont que trop duré et fracturé, je dirais, la résistance. Voilà. Je dirais même fracturé parce que ce n'est pas seulement une fracture. Aujourd'hui, la résistance est hachée. Il y en a ici qui sont contre ceux-là. Il y a des clivages, il y a encore des petites guéguerres comme ça. Il faut s'affranchir de tout ça, de toutes ces choses. D'accord? C'est passé, c'est plus à la mode, comme dirait quelqu'un pour rigoler. Hein? C'était à la mode au début. Hein? C'est parler mal, les clivages, c'est clashé là. Mais c'est bon. Donc aujourd'hui, après 8 ans, on va dire que c'est désuet. Bon, alors on va s'affranchir de cette désuétude, ma foi. Et on va commencer à regarder.